stabilize. Ouais. Et ensuite, je peux tout de suite le passer ou... Bah non, non, d'abord tu es en stabilize, tu décolles, puis après tu passeras en halte d'altitude par exemple, si on ne l'attrape pas sur la gueule. Voilà, tu peux passer comme tu veux. Si tu veux stabiliser, tu mets en loiter. Là, tu as mis en hold attitude. Loiter. Est-ce que c'est pilotable comme ça? Ouais, mais c'est pas. Tu avances, tu avances à un endroit, tu laisses, quoi, c'est tout, hein, c'est pas hyper rigolo. Quoi. Tu peux le piloter pour mettre en stabilize. Tu peux pas aller tête? Si, tu dis, en loiter, c'est un endroit, mais c'est pas joli, quoi. Tu le laisses et il bouge pas, quoi. Hold attitude, il reste à l'attitude que tu veux. Ouais. Alors si je mets retourne to home là maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh ben il va normalement il doit s'élever et venir jusqu'ici. Et si je veux reprendre la main, j'enlève. Il s'élève à combien? C'est le standard. Je peux te dire, je me souviens plus. Attention à vous. La config du mien. Attention à vous. Il se pose ou alors il fait quoi? Il va s'arrêter de lui-même. Il va atterrir de lui-même? Ouais. Non. Oui, je laisse faire. Je crois que c'est même plus prudent parce que. Il atterrit bien. C'est encore mieux. Faut décoller plus vite. Ouais.